Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose l'ouverture d'un TESA T80, gentiment fourni par Emery. Merci à lui. Donc TESA T80, 8 goupilles, hein, 6 en bas et 2 en haut. Voilà. Donc j'utilise un petit pic de secours, hein, parce que j'ai cassé mon pic habituel pour les TESA. Donc celui-là a le drapeau un peu plus fin, ce qui est un peu gênant pour bien attraper les goupilles, mais bon, on va le faire quand même avec. Voilà, donc première, deuxième, hein, qui sont un peu dures, donc on les enfonce un poil. La tension est moyenne, hein, je dirais, entre léger et un peu plus appuyé. Et comme d'habitude avec les TESA, on appuie sur les goupilles dures, mais juste un petit poil. Hein, parce que de toute façon, il faudra y revenir. Elle ne se place pas en une seule fois. Voilà, donc là, ça se joue entre la deuxième, troisième et quatrième, avec par moment la première aussi. Ça, il est assez bizarre celui-là. Bon, enfin, c'est le système du T60. Hein. Si vous arrivez à ouvrir un T60, le T80, c'est pareil. Sauf qu'il y a deux goupilles en haut qu'il faudra venir retoucher. Alors, soit à la fin, comme dans ce cas-là, puisque j'entraîne dans le sens anti-horaire, soit au début, si vous entraînez dans le sens horaire. Voilà. Donc toujours à la recherche d'une goupille qui va nous amener un petit clic et éventuellement un petit retour dans l'entraîneur. Bon, faut pas être pressé, hein. On revient en priorité sur les dernières goupilles qu'on cliquait. Bon, alors des fois c'est pas très évident, hein. Dans le doute, on les retouche toutes. Voilà la première. Là, je l'ai peut-être enfoncé un poil trop loin. Ouais, petit relâché, hein, pour la faire remonter. Et c'est reparti. Donc là, la première, deuxième, troisième et quatrième doivent être pas mal, je pense. Il va me manquer la cinquième et la sixième. La sixième qui commence à durcir. La cinquième. La sixième. Voilà, ça bouge un petit peu dans le rotor, c'est pas mal. Clic, sixième, cinquième, sixième. Voilà, là je dois être pas mal. Donc maintenant on va attaquer les goupilles du haut. Donc la première, voilà, un petit décalage. La deuxième, bon, apparemment il se passe rien. Donc j'ai remarqué que sur ce cylindre, il y avait la cinquième qui avait tendance à remonter quand on plaçait les goupilles du haut à l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'à la fin je suis revenu sur la cinquième. Voilà, à bientôt.